Salut à tous les amis, ici Fantastucieux, plus connu sous le nom de Fanta, et nous sommes le jour 9 de notre évasion du monde cruel, de celui du Père Noël, et j'ai pas mal d'objets illégaux sur moi, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il faut que je distraie les gens le matin? Pas du tout. Donc je m'en fous, au niveau de mes statistiques, je suis plutôt bon, j'ai 61 d'intelligence, ce qui permettra de m'en sortir quasiment en toutes circonstances, et ça rime, et la force à 88, c'est un très bonne force, hein. Bientôt je vais avoir mes 50 PV, et je vais pouvoir casser des gueules, bien sûr, j'augmenterai ma vitesse de frappe désormais au sport. C'est comme ça que ça va se passer. J'espère que vous êtes motivés. Moi je suis motivé, je vérifie que alors objectif récupérer donc ça va être pour faire un faux barbelé. Objectif, ça va être récupérer bon du duct tape, ça serait cool, de la colle pour faire une ventilation, une fausse grille de ventilation. Il faut savoir que j'ai plus accès à la partie du dessus ici, c'est bien dommage hein, parce que c'est super pour le rangement. Et on va partir tout de suite à l'appel du matin. J'ai changé de job, maintenant mon job c'est de trier les gentilles lettres des mauvaises lettres au Père Noël. Donc motherfucker Père Noël, directement ça passe à la trappe. Ok, moi je suis tranquille, mais alors lui il veut du chocolat. Écoute, ça peut se gérer. Donc lui, chocolat, brosse à dents, pastille pour la laine, livre de marche à la Cooper, c'est-à-dire il faut que je pète la gueule à Cooper, et ça c'est totalement envisageable parce que Cooper, on le déteste. Ça c'est la base. Ok, vous mangez quand on vous le dit. On devrait vous abattre. Et il nous tire souvent dessus, hein, surtout quand on va sur Google. Ok, je vais pas énerver les gardes. Aujourd'hui, on va pas énerver les gardes. Et je me dis, j'espère que j'ai rien oublié dans les shots dans le dernier épisode, sinon c'est la galère la plus totale, la plus absolue, mais c'est pas grave. Je vais poser quelques affaires un petit peu, aucune raison de les garder. Je vérifie, il n'y avait rien dans les toilettes, hein. Hop, et on va poser des trucs illégaux. Alors parmi les trucs illégaux, il y a tout ça. Ça tombe bien, je me retrouve à poil. L'autre, il voulait du chocolat, il va avoir du chocolat. Fabriqué maison. Clac, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, t'as tout compris. Comment il s'appelle? Irwind, donne-moi le pognon. Irwind. Hop là, clac, chocolat, je prends ta place, je prends tes thunes, tout va bien. Michael, tu veux du talc? Ça, je peux t'en trouver facilement. Monsieur a mal au Q. Ok, très bien, hop, au revoir, ça va passer. Hop, ok, tout va bien, je suis complètement reposé, je n'ai pas besoin de manger, je peux complètement grimper ici. Où ça m'emmène en fait? Ah, ça peut m'emmener au générateur. Mais je peux pas porter quelque chose. Je peux pas porter quelque chose qui me permettrait. Ah, c'est con ça. Je n'ai pas d'accès ici. Par contre, j'ai un accès ici. Mais il me faut une clé rouge. D'accord, pour le générateur. Donc du coup, c'est nul. Par contre, je peux monter sur la table. Et personne ne m'embêterait. Vous avez vu ça? Personne ne m'embêterait de monter sur la table. Grille de ventilation, générateur, c'est la folie. Ok, c'est bon d'avoir un plan, je vais faire trier mes lettres et pendant mon temps libre, je vais continuer à mettre en place mon plan complètement démoniaque. Ça, ce sont des gentilles lettres. Gentilles lettres, on les garde. Je vais bien correctement, hop. J'utiliserai un raccourci pour aller plus vite. Je me mets bien au milieu du truc parce que sinon ça marche pas, hop. Et il faut savoir que ma souris est complètement réparée, c'est simplement j'en ai acheté une autre. Oh, magasin informatique d'à côté. Alors, c'est l'humidité, ça. J'étais en vacances. Et avec l'humidité, il faut savoir que les boutons ont dû souffrir, quoi. Alors, d'habitude, je la fais chauffer tous les jours. Les lettres au Père Noël en retard, comme qu'elles sont de la gaffe. Il y en a plein. Ah là là, la musique dans Escapiste, c'est quand même les trois quarts du succès. Et j'annonce que Bob va vous faire une petite surprise, bien sûr. Un nouveau petit let's play qui devrait vous faire bien plaisir, vous les amateurs de ce genre de jeu. Ça va donner. Allez, on va faire du travail supplémentaire. Quitte à triver pour le Père Noël, autant pour foutre la merde avec une gentille lettre qui ne verra jamais ses cadeaux. Ici, c'est ouvert et mon drap est resté là. Dasher qui s'appelle, lui. Alors, vu que je suis à poil, mon niveau d'intelligence est en train de baisser. Ce que j'aurais voulu voir, c'est ce qu'il y a par là. D'accord, je peux passer, il y a une grille et il y a un accès très important ici. Et aussi, j'ai complètement oublié, il va falloir que je me rappelle. Pendant l'appel de mi-journée, normalement, il n'y aura pas de garde. Je vais voir un petit peu la quête qui m'est demandée.
Passons à décoration. Pour commencer, vous aurez besoin de guirlandes. Paillettes, rouleaux de papier, colle. Paillettes, rouleaux de papier et colle. Alors, il faut savoir que j'ai un complice dans mon évasion. Suivez-moi, c'est bon, j'en ai pas de problème. Putain, 2 balles de sniper, je commence à être solide, hein, les mecs. Hein. Très solide. Oh putain! S'ils font l'appel et qu'ils me fouillent, je suis mort. Je suis mort parce que je sais pas qui vont fouiller. À tous les coups, c'est moi. C'est le drama. On prend tous les objets illégaux. Clac, 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 clac. C'est légal. Ça, c'est légal. Oui, c'est légal. Ça, c'est pas légal. Voilà. Par contre, j'ai plus d'armes. Hein. Niqué. Pas bien pour appel de mi-journée. Ça n'énerve personne puisque j'y suis allé. J'y suis allé au moins une fois. Je vais essayer de le garder. Ah, je suis là. Y a pas de problème. Eh, au niveau de... Qu'est-ce que tu vends ? Crowbar, très intéressant. Mais j'en ai déjà une. En plus, ma pioche est déjà une pioche légère à 100%. Bah ouais, je l'ai améliorée, mon pote. Je l'ai améliorée. Donc, ce qu'il va me falloir, c'est de la colle en urgence. Je vais repasser, déposer mes affaires dans mon bureau en pensant qu'ils sont déjà passés. J'espère qu'ils sont déjà passés. Je me répète. Putain, au cas où. Au cas où ils n'étaient pas passés. Hop, pendant la période libre, je fais mon pickpocket et j'obtiens des choses gratos. Est-ce que j'aurais besoin d'une pelle? En tout cas, je pourrais me fabriquer à base de lime, je pourrais limer le truc. Très bien. Clac. Il y a un mec qui voulait un panier affûté? Non, personne. Faut pas que j'oublie qu'il y a un mec qui veut du talc. Qu'est-ce que je vais faire de ces limes? On peut faire des pinces coupantes, ça je vais garder, ça sera hop. L'autre, il veut son talc, il l'aura. Très bien. On va lire. Corde de drap. 2 draps, 30 intelligence. Très bien. Dommage pour la lime. Ok, lui il a besoin d'une brosse à dents, je vais le prendre. L'autre il avait besoin d'un bouquin. Pas de papier alu. J'ai pas besoin de papier alu dans cette série. Parce que je n'y a pas de portique de sécurité. Les portiques de sécurité servent à passer. Enfin, les papiers d'alu servent à passer les portiques de sécurité. Ok, et du fil dentaire. Le fil dentaire ça peut servir. Mais je ne vais pas prendre tout ça. Je vais pas prendre tout ça du tout. Je m'en fous tout ça. Hop, je marche en diagonale pour aller plus vite et gagner du temps. Hop, parce que le temps c'est important, voyez-vous. Hop, j'arrive dans le bureau de Wolverines. Je prends une deuxième lime et je me rappelle plus du tout ce qu'on peut fabriquer avec une lime. J'aurais dit une pince coupante, donc on va la garder, on sait jamais. Et ça c'est super pour péter la gueule aux gardes. Parce que je vous rappelle que dans notre bordel, les amis, il faut... Il y a une chose complètement essentielle, il va falloir. Tiens, on va garder ça. On va garder tout ça. Ce qu'il va falloir, les amis, parce que je vais aller au bout de ma pensée, à un moment ou à un autre, c'est trouver une clé rouge. Ah ouais, putain, ça a mis du temps à le trouver. Officier Martin. Ça, je pourrais faire un double de la clé rouge. Qui voulait une brosse à dents? Ça serait pas toi? Brosse à dents, c'est Henry. Et le livre... Ah non, j'avais pas pris de livre. Le tag, c'est Michael. Brosse à dents, Henry. Tag, Michael. Henry. Brosse à dents, Henry. Très bien. Et j'aurais bien pété la gueule à un garde dans un petit coin, là. Marcus. Oh putain, la clé rouge. Oh putain. Personne ne m'a vu. Alors là, disparition totale et absolue du Fanta qui s'en va avec une fucking... un petit truc de moule de clé rouge. Direction le dîner en espérant que le gars ne soit pas vénère après moi. Normalement, il devrait pas se souvenir. Il a très peu... Alors je vais mettre dans le coin là. Je vais mettre... Oulala, loin. Là-bas. En espérant que... Ok, donc c'est bon. Michael, non, Michael. Ne fais pas ça, Michael. Ah, fuck. Il veut une affiche. Oui, on en trouve partout. Putain, me pétez pas la gueule. C'est Ronald. Il est pas rancunier, pas de problème. Michael est par terre. Oh, il a de la colle. Oh, mon Dieu. On m'a pas vu. Wouhou. Très bien, la lime. Alors là, putain, je sais plus quoi en foutre. Vu la difficulté quand même à trouver... Est-ce qu'ils vont me trouver?
À trouver de la colle, je suis bien tenté d'en prendre une autre, hein. J'en aurais besoin. J'aurais besoin de faux trucs, et par contre la ligne, il faut arrêter là, il faut arrêter, c'est clair. Très bien. Michael, j'ai un truc pour toi, envoie le fric. Merci. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors lui, il veut de la colle. Oh putain, cette quantité de colle. Ok. J'en ai une de plus. Je sais plus qui c'est qui m'a demandé, qui voulait de la colle. La colle, c'est Wolferin. Et il veut une affiche Wolferin aussi. Facile, ok. Wolferin ? Tiens. Le fric. Et toi, tu vends quoi ? C'est pas mal, un tournevis. Associé à une pile, ça va être la meilleure chose, puisque je peux réutiliser complètement les grilles. Tournevis, une pile et un fil électrique. Hein. Hop. Non, ton jeu Worms, bien le placement de produit, Tindy 7, bien le placement de produit. Et ça, c'est complètement essentiel si je veux faire brûler des choses. Allez, le sport! Et il faut savoir que on a très peu de temps pour le sport. Les elfes ne sont pas musclés, ce n'est pas pour rien. Ils n'en ont pas besoin, sinon ils s'évaderaient de la maison du Père Noël. C'est bien connu. Allez, on bourre la fatigue. Il faut être fatigué. Plein de points de vie, plein de points de vie. Et après, vitesse de frappe. Quand je suis à 50 points de vie, déjà on a vu hein, que je commence à être balèze. Balèze, balèze. Allez. Même Photoshop ne pourrait pas perfectionner ses abdos, contrairement à moi dans la vraie vie. Photoshop... Même Paint pourrait perfectionner mes abdos. Y a pas de souci. Ok, la douche, on s'en fout. Hein. On va manger juste après. On s'en fout, on va manger juste après. Au niveau fatigue, hein, c'est juste l'odeur hein, qui dérange. Mais vu qu'il n'y a pas d'odeur dans les jeux vidéo... Hop, allez, on pousse, on pousse, on pousse, pousse. Trop fatigué. À la douche, le petit Fanta. Il est motivé parce qu'il a un plan. Il a un plan et une clé rouge. Et bien sûr, tout peut te rater au dernier moment. Petite douche, petite douche, petite douche. On va quand même faire les poches. Non. Oui, en théorie. Ah, c'est Henry qui a ça. Alors, on s'en fout. Période libre du soir. Allons faire un petit peu de craft. On va crafter des choses, les amis. Ah, vous aimez bien quand on crafte les choses. Alors, il va falloir pour cela, pourquoi pas... Est-ce que j'ai 60 intelligence? Ah, putain! Ah, putain! Je le refais, tu vois, au cas où t'es pas compris. Que je suis triste. Hop, 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 dis-moi que j'ai assez d'intelligence. Non, il m'en faut 22 fucking intelligence pour faire ça. Autant te dire que c'est pas tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Il me faut... Alors là, par contre, on va la faire, là. Ça va nous faire la place. On va faire ça. On va faire la grille d'aération qui nous permettra de renouveler un petit peu. Clac, 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 clac. Fausse grille d'aération. Malheureusement, je n'ai pas le pourcentage. Je pense que c'est lié à la traduction française. Je vais prendre mes piles. Allô, tu voulais une affiche, je vais lui donner. Puisque j'en ai une au stock, en stock, et j'en trouve encore à côté. Ça, on va mettre en stock. Ok, pour la... Ça, je vais le garder sur moi, et je vais fabriquer ma clé rouge. Ma clé rouge du bonheur, la clé la plus importante. J'avais déjà un briquet, hein. Pas d'inquiétude. On va prendre un truc en plastique, une brosse de préférence. Bien sûr, il y en a point. Il y en a point. Ça, c'est pour dépousser ses chiottes. Ça peut être pratique en cas de coup dur. Hop, une brosse, c'est réglé, je m'en vais. Alors, fabrication de l'objet illégal, numéro 1. Combinaison, putain! Il faut que je sois trop intelligent pour faire ça, il faut que je sois trop intelligent. Alors les mecs, autant vous dire que c'est opération Google. Opération gros Google. Opération coup de poing. Hop, tu vas voir, ah. Non, non, je ne suis pas du tout quelqu'un de dissident. Et je ne m'intéresse pas à l'internet. Ah ouais, vraiment? Tiens, viens ici. Normalement, je peux le faire. Ouais, je me le fais.
Bon, bien sûr, c'est risqué. Hein. C'est complètement risqué. Les gardes ne sont pas contents. 22 points, ça va être chaud quand même. Plaqué ce pervers. Comment ça? Internet is not for porn. Ok, ça y est. Combien j'ai remonté? Je suis passé à 65 et c'est plutôt good. On va retenter. Tant qu'il n'y a pas d'appel, je ne risque rien. Opération Internet, deuxième. Ouais, putain, il faut être motivé hein, pour le fappening. Qui est motivé pour le fappening? Est-ce qu'on est motivé par le fappening? On est motivé pour le fappening. Et avant l'appel du soir, j'augmente ma connaissance sur Wikipédia. Et Wikipédia et uniquement, jamais mon doigt ne ripera. Jamais il ne ripera. Période libre du soir. Qu'est-ce qu'il fait le Fantelf? Le Fantelf est sur Terre Internet. Il va directement sur des sites illicites. Voilà, voilà, voilà. Et en plus, ça fatigue. Hein. Oh là là, le comble du succès. Le comble du succès, c'est de ne pas me prendre l'alerte pour l'appel de fin de journée. Wow, je suis trop puissant, je suis trop puissant. 75, il faut que je sois à 80 et c'est complètement faisable avec ce niveau de skill. En position. Période de sport, distraire les gardes. Non. Le sport, c'est important. Le sport, c'est important, pépère. Oh, mais j'ai jamais... Vous savez que dans 5 saisons de The Escapist, je me suis jamais servi d'un escabeau. Mais ça peut servir. Ça peut totalement servir mes besoins. Le problème, c'est que c'est illégal et que ça prend de la place. Mais personne ne vient dans la zone des repas. Je prends. On va voir. Magazine. Oui. Tiens. Voilà. Non. Non. J'ai pas regardé qui était... Qu'est-ce qu'il fallait faire de... Qui était fouillé en fait. J'ai pas regardé. C'est la cata. Je vais foncer directement à la cellule et cacher tout dans mes poches. Un escabeau, c'est facile à cacher dans ses poches, vous le saurez. Si moi j'ai essayé dans la vie, c'est très facile à cacher. Je cache souvent des escabeaux dans mes poches. Sans compter tout le reste. Alors hop, on va en diagonale, on va squeezer les gardes. Oh, on va les niquer. Alors, illégal. Oh putain, ça je m'en fous. Oh fuck. Surtout ne tire pas la chasse. Plastique fondu, pioche légère. Oh, oh putain, j'ai l'essentiel sur moi. Bon au pire je me fais piquer ça. Ah c'est con. J'espère que c'est pas moi. Et là j'aurai le fion. Faites que j'ai le fion, ferme cette putain de porte. Ferme la porte. Yeah. C'est good ça. Sinon que... Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Alors, je n'ai pas l'intelligence pour faire quoi que ce soit. Mais par contre, les amis, je peux aller en haut. Alors, on va remettre les objets ici. C'est con pour le... En fait, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je n'ai qu'un drap. Je n'avais pas anticipé la chose. Je vais mettre mon mannequin pour lit. Oh putain, c'est risqué. C'est risqué, Fanta, ce que tu fais. On va prendre le faux conduit, on va mettre l'escabeau parce que pour l'instant on n'a pas besoin. Le moule de clé, on va le garder. Qu'est-ce qu'on va pas garder? Le bois, pour le moment, j'en ai pas besoin. Pas littéralement, hein. J'en aurais besoin pour renforcer ma pioche un petit peu plus tard. Le tournevis, c'est une super idée le tournevis. Pareil, on va le garder, on est bientôt au 80. Vous savez quoi? Alors, combien j'ai d'objets illégaux? Attends, j'en ai dans les chiottes. Le gars, il est fou, il est fou. J'allais sauvegarder et laisser ça dans les chiottes, t'imagines? Oh, le fail. Il faut se débarrasser d'objets illégaux. On est d'accord? Ok. Hop, je sais pas si j'aurais besoin d'une clé supplémentaire. Si peut-être une clé jaune. Donc ça, on va poser. Ça, on va poser parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. L'escabeau, j'en ai pas besoin. L'escabeau, je pourrais en avoir besoin. Je vais prendre juste le moule. Les cisailles. Les cisailles, putain, est-ce que je peux les réparer les cisailles? Comment ça se répare? Il me faut du duct tape avec ça, hein. Il me faut du duct tape et c'est pas bon. C'est pas bon.
Luffy l'a coupé. Il est génial. Ça je vais le prendre, j'ai pas besoin des cisailles du coup. L'escabeau je garde, la tenue de garde je garde. Je vais garder ça. Je vais descendre. Je vérifie que j'ai rien. Si je vais remonter ça encore. Oh putain. Oh là 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 là. Le mastic, j'en ai pas besoin. Si j'en ai besoin. La lime, j'en ai pas besoin. L'escabeau. Bon, l'escabeau, si je veux dire, j'en ai besoin. Hop, hop, hop. Peut-être j'en aurais pas besoin, mais c'est pas grave. Ça sera pour plus tard. La papillote, c'est l'amour. C'est l'amour, ça peut servir à plein de choses. Clac, clac, clac. On va tout garder. La pioche légère, j'en aurais peut-être pas l'utilité, puisque là, je prévois plus de faire de la coupure de... Ah ouais, mais... Plastique fondu, plastique fondu. Ah. Ah putain, non, il faut que je fasse des choses, il faut que je fasse des choses. On va garder ça, et on improvisera. On improvisera. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que vous êtes d'accord, parce que vous êtes toujours d'accord avec moi, surtout parce que je vous entends pas. Et ça, c'est bien, de pas vous entendre. Clic. Oh. Ouh. Ah. Clac, clac. Et on bourre tout ça à l'intérieur. Et c'est déjà pas mal, on a quelques places, on a pas mal d'objets légaux. Et on va se pioter. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je vous remercie les amis pour plus d'aventures sur The Escapist et d'autres séries complètement délirantes. A plus, c'était Fanta.